Vas-y, t'es dans le cadre de la vidéo. Pousse-toi, pousse. Pourquoi ça me pousse moi? Non! Et yo tout le monde, c'est Nchain. J'espère que vous êtes tous extrêmement bien aujourd'hui, car on va faire un défilé de mode spécial skill musclé sur Fortnite. Ça peut paraître chelou, mais regardez-moi ces skins. C'est vrai que c'est souvent des skins qui sont pas trop utilisés parce qu'ils sont ultra épais, volumineux. Nous, on a bien joué avec des skins un petit peu plus fins. Mais vous allez voir que Fortnite ont mis beaucoup de skins dans le jeu avec des énormes bras, des énormes cuisses, des énormes becs à la The Rock. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on fait un énorme défi de mode et trouver le skin le plus beau sur le thème du muscle. Tu vois ce skin? Il est pas dans le thème. Tu vois ce skin? Pas trop dans le thème aussi. Mais celui-là, oh ouais, là il commence à avoir des bras. Un gros merci à tous ceux qui me soutiennent dans la boutique. Directement quand vous lancez votre jeu, code Nchain, boum, accepté pour un maximum de chats. Et sur ce les amis, je vous souhaite un très bon visionnage. Seuls ceux qui font du sport ont le droit de liker cette vidéo. Très important les amis, de faire un peu de condition physique durant la semaine pour avoir un esprit sain dans un corps sain. Nice! Oh my god, le muscle! Le muscle! Qui c'est qui va avoir le plus gros bis? Qui c'est quand les plus gros pecs? En plus les gars, moi je suis la muscu depuis plusieurs mois maintenant. Je vais pouvoir bien savoir si vous avez bien travaillé vos jambes. Ouais, moi je travaille pas trop mes jambes. Que le premier skin s'avance. What? Il est trop stylé ce skin. Mais mec, attends, mais what? Mais je le veux. Mais je le veux. Je veux te faire des bébés. Je l'ai jamais vu de ma vie, frère. Mec, t'es qualifié, frère. Prochain skin. Oh, alors là, Brutus. Ou Jules. On voit pas trop tes muscles, mais on sait qu'il y en a derrière, tu vois ce que je veux dire? Après, la pioche et tout, le sac à dos, ça va. Les dents, ça sera tout à l'heure. Tu es qualifié, frérot. On rappelle, 50€ pour le meilleur skin. Que le meilleur l'emporte. Oh, mais t'es... Ah bah en fait, il y en a plusieurs qui ont pris celui-là, en fait. On voit les abdos, frérot, les triceps, les trapèzes de dingue. Et mec, t'es dopé. T'es un fake nati. Ok, excusez-moi. Je vais voir lui. Malheureusement, je préfère avec les ailes blanches. Oh, mais t'es, mais ça aussi, c'est Brutus. Mec, regardez la carrure du phénomène, quoi. Tu vois, avec ce skin-là, pour moi, ça, c'est l'évolution de ça. Désolé, frérot, bien joué à toi, quand même. Waouh. Mec, tes bras... Alors, toi, frérot, si t'es pas chargé, il y a un fucking problème, ma gueule. Donc, en fait, quand je dis chargé, c'est... Il y a des gens à la musculation, ils se piquent pour avoir des plus gros muscles. Ah ouais. Attends, montre-moi un petit peu ton dos, là. Ah ouais. Même tes mollets, mec. Ah, t'es qualifié, frérot, bien joué. Iron Man. Alors là-dedans, ça fait pas trop musclore, tu vois ce que je veux dire? Après, très très belle tenue, je kiffe. Le thème, c'est muscle, skin badass. Un Roman, il est pas musclé de base, on va dire, c'est son armure qui lui donne sa force, tu vois dire. Mais pour moi, ça passe. Ça passe parce que les bras sont présents, mais en mode robotique. Qualifié. Waouh! What the fuck? Mais attends, mais ça, mec, c'est des poids ultra dangereux de muscu, frérot. Mec, tes tatouages sont incroyables. Tu es qualifié, frérot. Eh, moi, les gars, regardez mon skin, il a bien fait le dos, mon skin. Hein. Oh! Alors lui, mec, t'as des bras aussi énormes, un petit peu comme. Est-ce que les skin Wolverine, vas-y, mets-toi à côté le skin Wolverine, on va voir un petit peu les bras. Et les gars, y a pas photo, hein. Wolverine, il a des triceps énormes. Mais lui, frérot, il a des épaules et des biceps énormes aussi. T'es qualifié, Père Noël. Oh! J'ai beaucoup aimé la danse, frérot. Après, t'as un style carnaval, tu vois le délire. Génétiquement, de base, en fait, t'es musclé, vu que t'es un putain de dragon, tu vois le délire. Si je te tue, c'est pas moi, qualifié. Ah! Qualifié, incroyable ton style. Mec, c'est Superman. Wolverine! Pour moi, le Wolverine, on voit plus ses muscles. Oh, mais t'es lui aussi, il fait la même danse. On a vu mieux en termes de muscles, hein. Mais par contre, t'as un style qui est extrêmement badass, qualifié. Oh, Batman, mais attendez, ça c'est un peu le Batman Robert Pattinson, tu vas dire ou pas? Parce que moi, je connais un Batman dans la boutique, une photo maintenant, il est plus badass que toi. Oh, ah déjà, t'as vu là, comme on voit beaucoup plus ses muscles, je comprends pas ton sac à dos. Ah, malheureusement, c'est très important, les amis. Qualifié, t'es qualifié. Bon, t'as pris un peu de bide, mais t'as des muscles. Je voulais remercier tous ces beaux gosses qui viennent de s'abonner à la chaîne. Merci à vous, les refs. Tu veux rejoindre la team des déchaînés? Vérifie dès maintenant que t'es bien abonné à la chaîne en activant la cloche, car on fait une vidéo par jour sur cette chaîne. Les gars, on se remet en ligne. Oh, attends, alors ça c'est un jeu vidéo, ma gueule. Il a une puissance de frappe, très beau triceps, des trapèzes phénoménales, un coup ultra volumineux, qualifié. Alors là, je crois que c'est le plus gros bras qu'on a jamais vu de toute notre vie. C'est vrai que Fortnite, ils ont fait beaucoup de skins muscles, hein. Toi, t'es qualifié. Bien joué. The Grefg, j'aime beaucoup. Et pioche Iron Man que t'as mis. Après, voilà. Pour moi, t'es fit, mais t'es pas non plus trop fit. Tu vois ce que je veux dire? Allez, t'es qualifié. Bien joué. C'est un film, ça. Je l'ai vu, le film, au cinéma. Who are you? Catchphrase. Ah ouais, toi t'es fit, frérot, hein. Qualifié. Oh, Venom. Stylé de ouf. Je savais pas qu'on avait une pioche comme ça. Waouh. Est-ce que tu peux faire un petit danse, Venom? Ah ouais, d'accord, quoi. Oh, regardez comme ça bouge bien. Ok, c'est qualifié, insane. Toi, comme t'es piqué, frérot, ça fait peur. Wolverine avec un couteau.
Pas de sac à dos, malheureusement, pas de sac à dos. Oh, miaouskilé. Version noir et blanc. Alors, dommage parce qu'on voit pas trop un petit peu les lignes de ton corps vu que t'es en mode noir et blanc. Tu vois le délire ou pas? Après, j'aime bien ta ploche, ton sac à dos aussi, mais on voit pas assez tes muscles, frérot. Oh, toi, mec, t'es prêt pour gagner 50 balles, toi, je crois. Cali, c'est bien joué. Encore un Superman. Oh, t'as mis un petit truc Superman aussi. Par contre, pourquoi t'as la pioche Catwoman? Non, mais oh. Ah, Genesis, t'as pris des bras, frérot, hein. Ah, frérot, t'es loin de Superman, hein. Waouh. Ok, alors lui, frérot, j'imagine qu'est-ce qu'il peut tuer comme personne. Il détruit lui, frérot, hein. Parce que lui, il avait un peu de beden, tu vois. Bien joué, le nounou, c'est qualifié. Oh, c'est The Rock. Attends, c'est pas vraiment The Rock, mais ça y ressemble de malade. Oh, avec le requin et tout. Oh, les tatouages. Mais frérot, lui là, il te détruit toi, frérot. Bien joué, qualifié. Ah, une femme. Attends, c'est la première femme. Mais les mecs. Qualifié, t'es qualifié, Chigul. Waouh. Alors, on a déjà eu un comme ça. On en a eu deux, hein, vous voyez. J'aime bien, hein. J'aime bien. J'aime bien, mais je pense que le bouclier, tu vois, viking, est plus stylé, malheureusement. On a un Superman encore. Ouf. Attends, un Superman qui sue. Mais un Superman qui sue, frérot, c'est pas... On peut pas appeler ça un Superman. Oh, Travis Scott. Alors, Travis Scott, frérot, t'es pas connu pour tes muscles, hein. Alors, je crois qu'on a déjà eu un comme toi. Il était en skin vert. J'ai vu plus badass. Oh, Venom. Alors là, Venom d'un autre style. Est-ce qu'on peut avoir les deux Venom sur les escaliers? On a lui comme Venom et on a lui. Ah ouais, mais lui, frérot, on voyait vraiment ses détails. Et regardez, ses muscles bougent. Et lui, va en voir, est-ce que ses muscles bougent? Attends, mais c'est un Venom qui a peur, en fait. Mais c'est un Venom qui a peur, il est pas badass, en fait. Bien joué à toi, l'autre Venom, tu vas se qualifier. Oh, The Rock! Oh my god! Je peux pas, je me prosterne. Vas-y, t'es qualifié. Ah, mais The Rock aussi, attends, il y a eu deux The Rock d'affilée là, wesh. Oh my god. Attends, on a eu deux The Rock d'affilée. Est-ce que le The Rock, j'ai qualifié pour redescendre? Alors, lui, comme sac à dos, il avait quoi? Il a des os? Pourquoi t'as des os? Lui, en fait, j'aime bien parce que son sac à dos, en fait, c'est son poids qui lui permet de faire les biceps, tu vois dire? Oh, mais il est stylé celui-là. Il a du style, qualifié, frérot, qualifié. Ah, mais ça, c'est un skin tellement ancien. On dirait un ancien skin de la Fondation, frérot, qui était emprisonné. Bon, t'es un peu moche. Vous êtes 40 en vie, les rocs. À la fin, il n'en restera qu'un seul. Voilà, là, c'est le Batman ultra badass, tu vois. On voit qu'il a des beaucoup plus gros muscles. Toi, t'es qualifié, en plus, tu fais peur. Wolverine, un arc-en-ciel. Bah, badass, je suis désolé. Pour moi, Bruno Mars, je tiens à dire un truc. Pourquoi ils t'ont fait plus musclé dans le jeu que ce que t'es dans la vraie vie? Voilà. Oh, alors lui, on l'avait déjà qualifié au début. Et là, on voit tellement bien ses tatouages. Ah, mais le style en blanc, je le trouve plus joli, tu vois. Oh, on a Papa Noël. Alors, on a Papa Noël, on avait aussi déjà qualifié un. Mais je le trouvais plus badass avec la moustache que l'aspect que t'as une tête de comme ça. Oh, c'est quoi ça? C'est qui lui? C'est un joueur de basket? Ah non, mais frérot, là. Oh, attends, celui-là, je l'ai pas vu. Alors, j'ai les amis, j'ai quasiment regardé tout le monde, à part les deux derniers qui sont devant moi, là. Mais alors, je crois que lui, c'est celui qui a le plus d'abdos de toute la Terre. Attends, je peux compter des abdos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Des pecs, on dirait même des abdos, frérot. Tu vois le délire ou pas? Ah non, mais toi, t'as une tête de lama, non. Hein. Et il y avait, oh, le gladiateur. Je peux voir le gladiateur. Vous avez du lourd en face, les refs. Et toi? Je suis désolé, mais les bras à côté, ils sont tellement big. Vous pouvez descendre tous. Séparez-vous, les amis. Je vais un petit peu me balader autour de vous. Vous devez être là, les amis. Commencez à bumper vos muscles. Faites des pompes au sol. Faites qu'il y ait du sang dans vos muscles. Faites vos meilleures danses, les amis. Parce que là, je vais en éliminer beaucoup. C'est pas le plus muscles, tu vas le dire ou pas? Lui, il a beaucoup de muscles, mais je le trouve vraiment pas ouf, le skin. Ah, Venom. Alors, ce Venom-là, moi, le fait que ses muscles, eh bien, ils grossissent comme ça en temps réel, c'est incroyable. C'est une belle danse. Radiateur, ok. The Rock avec le requin trop stylé, le skin. Superman qui fait les biceps. Ah, toi, t'es un peu fin, toi. Hein. The Rock. Ah, il faut que je choisisse le vrai The Rock, les refs. Il y a une danse qu'on voit un petit peu moins, plus originale. En plus, ça me fait penser à The Rock à Baywatch, une photo maintenant. Oh my god. Hey, mais... Vous êtes d'accord que Shiyuk, elle a plus d'épaules que ce skin-là? Frère, elle a plus d'épaules que toi, frérot. Sauf que Wolverine, après, il a plus d'épaules que toi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est compliqué quoi. Dommage en fait qu'on voyait pas sa peau parce que peut-être qu'il est un peu grassouillé en bas, tu vois. En plus, il transpire, bah t'es. T'es un peu de bedaine. Parce que nous ici, on est sur la qualité sur plus du muscles quand même, on va pas vous mytho. Alors, The Grefg, moi je dirais pareil aussi, tu vois, c'est un peu fin malheureusement. Le noir, on voit pas trop bien ses formes aussi malheureusement. Donc, moi je resterai sur le bleu comme ça. On a deux Superman bleus et j'aime beaucoup bien l'ensemble que t'as en rapport à lui. Mais sauf que là, on a un Superman noir, j'ai l'impression qu'il est un autre style de Superman noir. Lui, il est plus badass que toi malheureusement. T'as perdu un peu des biceps. Face au gladiateur, il va te couper en deux malheureusement. Je préfère l'autre. Il y a deux Wolverine, il faut vite que je vérifie les Wolverine. Malheureusement. Je crois qu'on va rester comme ça les refs. Vous êtes tous beaux gosses, c'est parti pour en choisir 4. Les 4 finalistes. Ok les refs.
En face de moi se trouvent les skins les plus badass. On va faire un choix net et précis. On est obligé de mettre le skin gladiateur. Il a des blessures. Il est strié comme un malade. Il a des jambes, mec, c'est même pas des jambes. C'est des tours Eiffel. Son dos a tellement été destroy par les tigre et le lion qui l'a tué. Deuxième skin ultra badass, le Venom. Il avait un truc ultra chelou, c'est que ses biceps grossissaient en temps réel. Sa pioche allait très très bien en plus avec son style, tu vois, le mec, c'est un poids lourd. Pour que ça fasse les biceps, on continue. Et regardez comme il est veineux. Il a des veines de partout. En troisième qualifié, Wolverine. Avec la batte dans le dos. Il se fight un petit peu comme un animal. D'où sa pioche, tu vois, qu'il a construit vraiment à la Wall Again, qu'il représente de dingue. Il a la veine du bibi. Il est poilu pour rendre tout ça viril. Il a un triceps. Je crois que c'est le plus gros triceps que j'ai jamais vu toute ma vie. Moi, ce que j'aime bien aussi dans ce skin-là, c'est regarder ses mollets. C'est molle. C'est même le bas du corps, il est bossé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et le dernier qualifié, The Rock en version short. Il est extrêmement large, des pecs volumineux et en même temps, il est tracé au niveau des abdos. Les biceps sont présents. Il a un dos énorme. Voilà, lui, c'est le gars qui a le dos le plus énorme du monde. C'est même pas un dos, frérot, c'est des ailes d'avion, hein. Tortank, hashtag Kibun Shape. Il a la petite chaîne en or, le petit requin, la petite pelle pour la plage. Maintenant, c'est à vous, la communauté, d'aller voter en description pour votre skin préféré parmi les 4 finalistes. Le gagnant remportera 50€ de V-Box. Vas-y, dès maintenant, pense à lâcher aussi ton petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, on fait une vidéo par jour sur la chaîne. Et si tu veux participer à tes défilés mode comme ça, rejoins mon Discord. On est 160 000 là-bas. Et si t'es là-bas, eh bien, tu peux passer dans mes prochaines vidéos que je fais avec la communauté. Bisous les refs, geeky comme des porcs. Tu peux juste cliquer ici, tu vois la dernière vidéo, c'était une fucking masterclass. C'était une chaîne. Ciao bye. See me.